Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, recette que vous m'avez demandé, on va faire des carrés au citron. Je vous laisse tout de suite avec la recette et je vous retrouve à la fin. Dans un saladier, on verse la farine, la maïzena, le sel et le sucre glace. On mélange rapidement. Puis on ajoute le beurre coupé en petits dés. Et on va ensuite venir sabler les ingrédients ensemble du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une sorte de crumble grossier. La pâte est prête. On la répartit alors dans un moule carré chemisé de papier cuisson. Et on vient la tasser dans le fond du moule de manière régulière. On préchauffe ensuite notre four à 180 degrés et on enfourne environ 20 minutes. La pâte doit être légèrement dorée. Et donc pendant la cuisson de notre pâte, on vient préparer le flan citron. Dans un saladier, on casse les 6 œufs. Puis on ajoute le sucre. Et on fouette pour blanchir un peu. On ajoute ensuite le jus de citron et on mélange à nouveau. Puis on vient râper le zeste du citron jaune. Et on tamise également le mélange farine et maïzena sur la préparation. On mélange enfin une dernière fois à l'aide du fouet jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse. Notre appareil à flan est prêt. On sort alors la pâte sablée du four. Et on laisse tiédir un peu avant de verser le flan citron sur la pâte. Donc je vous conseille quand même de prendre un moule avec un fond. Évitez de prendre un cadre comme moi ou alors il faut vraiment bien le chemiser de papier cuisson. On baisse ensuite la température de notre four à 150 degrés et on enfourne à nouveau 35 à 40 minutes jusqu'à ce que le flan citron ait bien pris. À la sortie du four, on laisse totalement refroidir avant de démouler. Puis on vient détailler en carré. Et enfin pour terminer, on saupoudre généreusement de sucre glace. On réserve ensuite les carrés citron sur un plat. Et voilà, la recette est terminée. Les carrés au citron sont terminés, j'espère que ma recette vous aura plu. Laissez-moi plein de petits pouces bleus et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.